Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit stream bonus qui ne devait pas avoir lieu et qui a lieu quand même, c'est ça la beauté de la chose, sur AstroTerre. On va coder un petit peu, salut Michael, salut Sanduk, bienvenue à vous sur ce petit stream. Et oui, en fait, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui, et puis finalement ça s'est bien goupillé, j'ai pas perdu beaucoup de temps, j'ai été efficace. Donc ce matin j'ai fait beaucoup de choses, et en début d'après-midi j'ai pu finir ce que j'avais à faire. Faut dire aussi que normalement j'avais une formation aujourd'hui mais qui a été annulée à cause du Covid, pas le mien, mais celui du conférencier qui devait animer la formation. Donc du coup, je me retrouve avec un peu de temps, et ça fait du bien. Donc on va pouvoir se faire une petite session, une petite heure, une heure et quart, sur AstroTerre, Lucky, exactement. Et du coup, ça n'était pas forcément prévu ce qu'on va faire cet après-midi. En fait, j'ai commencé. Du temps pour ta douce live. Ouais. J'ai commencé à réfléchir. Alors, j'ai pas mis la calpincam, mais j'ai commencé à réfléchir sur le système de sauvegarde. Garde, c'est ça. Quoi donc que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit déjà sur mon calepin? Ça se passe ça. Ça, on en a déjà parlé. Sauvegarde, on en a déjà parlé. Voilà, non, c'est pas ça. Voilà. Bon, je vous montrerai ça plus attentivement. Enfin, plus mieux, je vous montrerai ça. Vendredi. Non, samedi. Samedi. Mais j'ai commencé à réfléchir sur l'interface, l'UI, pour le chargement et la sauvegarde des parties. Et ça m'a fait penser à un élément qui n'est pas encore implanté et qui va être indispensable pour tout ce qui est gestion des sauvegardes. C'est le bouton de confirmation. Êtes-vous sûr? Oui ou non? Ça me paraît impératif de faire ce bouton. Et si vous vous souvenez bien, on avait commencé à imaginer qu'il faudrait le faire au moment où on a créé tout ce qui est abandon des quêtes. Pour abandonner une quête, on s'est dit qu'il faudra qu'on fasse un système de confirmation avec une fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui dit oui ou non. Donc du coup, dimanche, en quelques dizaines de minutes, je me suis dit « Allez, je vais commencer à bosser là-dessus ». Et donc là, cet après-midi, je voudrais continuer. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant, ce que j'ai fait. J'ai fait à peu près la base de l'interface graphique de cet élément. Donc je vous montre, je prends une quête, la quête de Bob, la meilleure quête qui soit. Pardon. J'ouvre le journal et donc vous vous rappelez, on a rendre la quête active ou non, ça marche, et on a le bouton abandonner. Et donc quand je clique sur abandonner, maintenant, pof, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Alors elle n'est pas fonctionnelle pour l'instant, hein. Il ne se passe rien si je clique, voilà. C'est juste, j'ai créé ça. Donc déjà, d'un point de vue graphique, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis assez content, j'aime bien. Je m'interroge quand même sur le découpage des petits carrés, est-ce qu'il y en a trop? Voilà, mais j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en dites. Tu valides, Sam? Ok. Moi j'aime bien aussi. Ah, mais pourquoi je baillais pas avant de lancer le stream, hein, je préviens. Mais j'ai eu une petite nuit, j'ai couché un peu tard. Enfin, pas la fenêtre, tu valides aussi. Ok, bah parfait.
si vous validez, ça me va. Donc pour l'instant, ça ne fait rien. Ça, ça ne marche pas. Enfin, ça bloque. Enfin, on est bloqué là. On est coincé. On ne peut plus rien faire. Mais voilà. Moi, j'aime bien. J'aime assez. J'aime assez. Alors, maintenant, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le fonctionnement de cette pop-up. Donc là, je suis dans le script du journal des quêtes, du questbook, et on avait créé cette fonction pour vérifier... pour vérifier qu'on appuie sur le bouton. Et donc moi, j'ai créé une scène, donc la scène avec la boîte de dialogue, oui, non, bah d'ailleurs, je peux vous la montrer, cette scène. Je peux vous la montrer, la voilà. Donc, j'ai prévu déjà la traduction. D'ailleurs, on a un problème en français à cause du sur qui pourrait être adressé à une personne féminine. Et du coup, le problème, c'est que je pense que je vais mettre parenthèse E, en fait. Hein, je vais mettre de l'écriture inclusive parce que sinon, c'est un peu pénible. Mais bref, are you sure? Yes, no. Voilà, c'est tout simple. C'est juste ça. Au niveau, donc, revenons donc à notre script. Évidemment, j'ai pu... notre questbook. Donc, on a le global script qui va créer la pop-up, et puis c'est tout pour l'instant. Au niveau du global script, j'ai créé plusieurs fonctions. Affichage de la première région de départ. N'importe quoi. C'est pas ça. Donc c'est affichage, parce que mon fils s'est réveillé, donc voilà, affichage de la scène avec les pop-up. Et là, donc je disais avec, bon, affichage de la scène. Et là, je suis pas très clair avec ce que je veux faire, parce qu'en fait, dans l'idée, quand on a cette pop-up qui s'affiche, on ne peut cliquer sur rien d'autre. C'est comme si le jeu était en pause, même si techniquement il ne l'est pas. Mais donc il faut que je me débrouille pour que le reste de la fonction, quelle qu'elle soit, bon là en l'occurrence c'est la fonction qui est dans le questbook, il faut que je me débrouille pour que la suite de la fonction attende le retour de cette pop-up. Donc je pense que je vais mettre confirmation égale globalscript.confirmation pop-up. Du coup, cette confirmation pop-up. Maintenant, si je retourne dans mon global script, elle va devoir return quelque chose. Donc il va falloir que je fasse return bool. Donc je vais créer une variable qui va être confirmation answer. Qui va être la réponse à la 2 points égale, par défaut on va mettre à false. Et donc on va lui dire return confirmation answer. Ok. Maintenant, là, il faudrait qu'on trouve un moyen de faire patienter cette fonction, je pense, le temps qu'on choisisse un bouton. Sauf qu'il y en a deux, en fait. Alors, c'est là où on va peut-être avoir besoin de regarder l'aide. Parce que j'avais vu des yield. Donc yield, c'est une fonction qui nous permet d'attendre. Hop, yield signal. Donc identique à yield, mais attendra jusqu'à ce qu'un signal donné soit émis. Mais là, on n'est pas dans le bon truc. Coroutine et signaux. Alors, la force réelle de l'utilisation de yield est lorsqu'il est combiné avec des signaux. Yield peut accepter deux paramètres, un objet et un signal. Lorsque le signal est reçu, l'exécution reprend. Voici quelques exemples. MyFonction ne poursuivra l'exécution que lorsque les deux boutons auront été pressés.
Vous pouvez également obtenir l'argument du signal une fois qu'il est émis par un objet. Donc moi, c'est ça que je voudrais faire en fait. Attendre les deux boutons en fait. Alors. Bon, le problème, c'est qu'on crée notre confirmation box. Alors, il faudrait que je regarde comment on connecte. Du coup. D'ailleurs, est-ce que ça marche, hein? Non, ça marche pas. Attends. Hop, je relance. Je veux tester voir si l'aide contextuelle de ces boutons fonctionne. Non. Et ça ne marche pas. Oh, c'est bizarre ça. Ça marche pas. Et si je fais ça, c'est un détail, mais je... Ouais. Souris sur le bouton. Et... Ça marche. Ok, ça marche. Alors pourquoi? Salut Rafiti. Je développe un jeu en 2D inspiré par l'univers de Minecraft, un jeu de rôle tactique. Merci pour ton follow. Il s'appelle Astroterre. C'est le Global Script. Help. Ouais, c'est peut-être ça. Si je mets 99. C'est une question de layer.
Ça marche pas. Il y a bien un timer qui est créé. Comprends pas. Si Rafti, je suis sur Olicube. Effectivement. Alors, tac, tac, tac. Time out, ok, donc là ça a marché. Et là. Ah! Le timeout qui marche pas là cette fois-ci. C'est bizarre ça quand même. Il y a bien le chrono. Et si je fais tac, là le chrono il est bien créé. Mais il n'y a jamais de timeout. Pourquoi il n'y a jamais de timeout? Merci Rafti. Bon, c'était pas trop ça qu'on devait faire aujourd'hui, mais pourquoi il n'y a pas de time?
Non, j'ai un métier, je suis enseignant. Donc le stream, c'est juste une passion. Il n'y a pas de timeout alors qu'il y a un timeout sur. C'est pas normal, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on va laisser ça pour une pour un autre temps. Hop. Merci, Rafti. C'est gentil. Ça, je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas trop ce que je voulais tester, mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc. Alors. Là maintenant, il va. Donc là, j'ai mon instance. Ok. Et là, je pense qu'il va falloir que je me connecte à un signal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va se connecter aux deux signaux. Oui, on va faire ça. Donc, ici, on va créer un script. Confirmation box, créer. On va se connecter aux signaux. On va créer une variable var confirmation choice 2 points égale bool. Et donc le bouton yes. Ah oui, mais il y a le label par-dessus. Ah, est-ce que ce serait pas ça qui gênerait? N'importe quoi, oui. C'est plutôt comme ça. Là, j'ai caché le label. Est-ce que c'est le label qui gêne? Non. Non. Pas le label qui gêne. Ça fait à peu près un an, Rafti. Donc maintenant, hop, on va connecter les signaux. Unbutton yes press. Donc on va faire confirmation choice égale true.
Hop. Confirmation choice égale false. Du coup, on va créer un signal ici. Signal. Ah, ou alors on va utiliser Ah, on pourrait. On pourrait créer un signal ici. Je sais même pas si ça pourrait marcher, ça. On va essayer. On va essayer. Signal spécifique. Mettre signaux, on sait jamais. Pour les boîtes de confirmation de choix. Signal confirmation choice. Et on va mettre choice. Là, on va faire un function confirmation signal. Ah, ou alors on pourrait. Alors attendez, on va changer ça. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, on pourrait faire ça plutôt. Pas de soucis, Michael, t'inquiète. Confirmation choice. Point. Emit. Signal. Confirmation choice, virgule, choice, comme ça qu'il faut faire. Donc ça c'est signal pour émettre la valeur de du choix du joueur. Le script censé récupérer la valeur de ce choix. Ah oui mais non. Ouais, parce que je me dis s'il y a plein de trucs, s'il y a plusieurs scripts qui sont connectés, quand je vais déclencher le signal, ouais, mais bon, après s'il n'y a pas de yield, oh, ça devrait marcher. Le script censé récupérer la valeur de ce choix doit se connecter à ce signal.
être connecté plutôt. Du coup, si on rejoint, si on pousse-toi, toi. Si on retourne ici, global script point confirmation signal et on lui envoie confirmation choice. Et ensuite on va delete, on va faire une fonction delete choice. Yep. À la prochaine, Rafty. Merci beaucoup. Ok, du coup, c'est sur mon questbook. Oui, sinon. Donc là, on va se connecter au signal. Il n'y a peut-être pas besoin de se connecter en fait, il y a juste peut-être besoin de faire un yield. Alors, yield. Ah, par contre, il faut récupérer. En train de regarder LED là. Il faut récupérer le nœud. Ok, donc en fait on peut faire, si on peut faire ça, du coup, var confirmation, ok, là on va faire ça, var pop-up confirm... Alors, confirmation pop-up node égal global script nanana. Donc après on récupère le nœud, donc yield tac le nom du signal, donc le signal. Ah oui, mais c'est pas un nœud, c'est...
Ah mais non, en plus je suis con, c'est Global Script. Ouais, non, il n'y a pas de problème pour récupérer le signal, c'est le Global Script qui met le signal, donc non, j'ai pas besoin de ça. Yield Global Script. Confirmation. Génial. Non, c'est confirmation choice. Et donc on peut faire. On peut obtenir l'argument du signal. Donc... On va tester, j'ai absolument pas confiance dans ce que j'ai fait. Ça ne marche pas. Alors... Alors, print.
Ok, donc déjà mon signal il marche pas là. Pourquoi Pardon. Merci. Toggle mode désactive. Non, le toggle mode il n'est pas activé. Alors attendez, là il y a un truc que je comprends pas. Ah bah si, pourtant c'est price. J'ai l'impression que ça a marché. C'est le label qui m'embête en fait. J'ai l'impression. Ah non. C'est peut-être le mode pause. C'est peut-être le mode pause. Pause mode process.
C'est ça. En fait, c'est que quand j'ouvre le journal, je me souvenais plus de ça. Mais quand j'ouvre le journal, on est en mode pause. Pardon. Voilà, on est en mode pause. Et du coup, ma scène qui se chargeait était en pause. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas fonctionner. Ok. Donc là, maintenant, je ne suis plus en pause quand j'ouvre le journal. Donc, par contre, j'ai pas réactivé mon bouton. Je voudrais le voir, s'il vous plaît. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Et donc, si je fais êtes-vous sûr? Non. Hop, là, ça ne m'a pas supprimé la quête. Et si je fais êtes-vous sûr? Oui. Hop, quête abandonnée. Ça marche! Waouh! Bon, bah finalement, ça va, c'était pas si dur que ça, donc ça y est. On a fait notre confirmation box. Super, ça marche, puis purée, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Alors, après, on va faire des petites animations un peu plus sympathiques, hein, parce que c'est moche. On va faire un fondu, on va faire un petit truc plus sympa. Mais ça marche. Bah ouais, ça marche. Enfin, je veux dire, il y a rien de plus, rien de moins à faire. Ça marche. Je suis moi-même surpris. Alors, j'ai pas retiré la pause, c'est que j'ai rendu la scène de la box de confirmation non sensible à la pause. En fait, par exemple, le journal n'est pas sensible à la pause. Même si il met le jeu en pause, la scène du journal, elle, n'en tient pas compte. Et bien là, j'ai fait en sorte, j'ai juste choisi l'option pour que la confirmation box ne tienne pas compte de la pause. Elle s'en fout. Fuck it, la pause. Alors. Et là. Voilà. Donc. Système unifié de pop-up pour valider un choix ou l'annuler. Ça, on Et donc en fait, maintenant, à chaque fois que je veux un pop-up, j'ai plus que ça à rajouter en fait. C'est cool. Voilà. Ça me suffit. Je vais vous remettre en plein écran. Ça me suffit. Il me suffit de ça. Dans n'importe quel morceau de script, n'importe où, il me suffit de rajouter ça pour avoir automatiquement la pop-up. Et voilà. Et j'attends le rendu. Et en fonction de ce que ça demande, voilà. Je pourrais même m'en servir pour faire des questions ouvertes, en fait. Je pourrais envoyer la question et oui, non, en fait, quand c'est une réponse binaire, en fait. Par exemple, je pourrais envoyer une question, vous préférez le thé ou le café? Et puis les deux questions seraient thé, café, et hop, ça, voilà. C'est ce que je voulais en fait, je voulais un système unifié de pop-up pour valider un choix ou l'annuler. Et comme ça, maintenant, j'ai juste à rajouter ça et je sais si le joueur confirme ou pas quelque chose. Et en fonction de sa réponse, je fais ça ou ça, quoi. Exactement, souhaitez-vous quitter le jeu, oui ou non? Exactement. Café perso ou iced tea?
D'accord. Bon, oui, bah, je suis content en fait, mais c'est presque trop simple. Je pensais pas que ce serait si simple. Dans le cul. En fait, il n'y a pas besoin du return. Ça... Non. Bon, alors on va quand même améliorer le truc. On va donc fonction init. Hop. On va donc unready var animation player égal animation player. On va quand même créer un petit fondu, une apparition en fondu, hein, et une disparition en fondu. En fait. Donc là, ça, voilà. Donc init. Donc animation nouveau fade in. Donc dans ce fade in, attends. On va faire tout apparaître d'un coup et tout disparaître d'un coup, on n'a pas besoin d'une piste de propriété background modulate. Hop. On va la faire sur 0.2. Hop. Et animo fade out. Ah, j'étais piste de propriété background. Hit. 0.2, on va faire ça très vite aussi. Hop, hop. Hop. Et hop, ça disparaît. Et là, par contre, on ajoute une piste d'appel de méthode sur le confirmation box. Et on va faire delete choice. Voilà. Et du coup, init, ça va être animation player.play fade in. Voilà. Et ici, en fait, on fait pas ça, on fait animation player.play fade out. Et du coup, l'animation d'apparition. Que ça, ça marche. Ah merde, si c'est bon. Je croyais que j'avais cliqué au mauvais endroit, donc hop, hop. Ouais. Êtes-vous sûr? Non.
Ça va l'animation, hein, c'est tout simple. Et du coup, vous voyez, on a le... Voilà, ça fonctionne bien, le confirme le choix, annule le choix. Ah purée, ça marche! Voilà, comme ça, ça fait une animation un peu plus smooth. Voilà. I'm happy, it works perfectly. Ah bah je suis content, dis donc, je pensais pas réussir. Je pensais pas réussir, dis donc. Je suis incroyablement surpris et satisfait par ça, dis donc. On peut le virer. Parfait. Bon bah ça marche, nickel, impeccable. Impeccable. Tiens, du coup, qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, j'ai bien... Ah, par contre, tiens, un truc qu'il faut que je corrige. Donc, si on fait... En fait, si je fais ça, ça, ça et que je fais échappe, ça me quitte quand même le journal. Si je mets oui, ah ouais, ça fait un bug. Et si je mets non? Donc là, bien, sauvegarder, charger, on a bien deux boutons différents. Pardon. En fait, il faudrait que quand j'appuie sur échappe, ça me ferme la... Ouais, on va faire ça. Donc, on va rajouter cette possibilité d'appuyer sur échappe pour annuler le choix, en fait. Donc, je vais juste regarder comment j'ai fait dans le questbook pour choper le fait qu'on appuie sur la touche échappe. Input, input, ça.
Hop. Du coup. Hop, function input. Donc moi c'est pause. Et on appuie sur l'échappe. Hop. Si on appuie sur échappe, on va faire comme si on avait appuyé sur. Si on appuie sur échappe, c'est comme si on appuyait sur no. Est-ce que là, ça solutionne mon problème de bug là? Donc tac, tac, tac. Ouais, par contre, ça quitte aussi le journal carrément. C'est bien pour... c'est bien, hein, mais... Il faudrait que ça quitte... Il faudrait que ça quitte juste la fenêtre en cours. Ah. Et là, je sais pas comment faire. Parce que je pourrais. Je pourrais rajouter une variable qui dit que. Il y a une pop-up ouverte. On va faire ça, je pense, mais à voir si on garde ce système pour tout. Ça complique un peu le... Enfin, ça complique... Ouf, ça complique pas des masses, mais... Mais ça serait plus smooth, parce que là, on fait échappe, on quitte tout. C'est un peu chiant. Faudrait quitter juste ça, en fait. Bon, on va le faire comme ça, et on va mettre un debug. Alors, on va rajouter donc une variable... Va pop-up active 2.false variable pour savoir si une pop-up est affichée par-dessus le journal. Confirmation de choix, par exemple. Je vais mettre debug à voir si une solution plus ah mais vous voyez pas. J'ai déclenché l'intro, pardon. Une solution plus modulable peut être trouvé. Bonjour l'intro. Oui, j'ai déclenché l'intro. Peut être trouvé. Donc, hop. If pop-up active égale false. Hop. Voilà. Et du coup. Quand on est dans ici, on rajoute ici, on rajoute pop-up active égale true et après le yield, on rajoute pop-up active égale false. Donc là, voilà, c'est juste le temps de l'attente du choix. Du coup, ça rajoute un poil de chat
de code. Et ça manque un peu de modularité. Je trouve que c'est pas très élégant. Mais bon. Du coup, si je fais ça, voilà. Ah! Ah! Par contre, là, je suis plus en pause. Donc là, ça pose problème. Qui est-ce qui détecte échappe? Là, je suis bien en pause. Si je fais ça, j'enlève la pause. Par contre, si je fais ça, j'enlève la pause. Contrôle menu pause. Ça c'est ici en fait, c'est quand je fais ça. Ok, donc le problème c'est lui, je pense. Oui, donc en fait, je pense que j'ai une idée. Donc, en fait, on va plutôt utiliser une variable globale. On va plutôt utiliser une variable globale. Donc global script. Hop. On va mettre menu pause, précharge la scène de menu pause. On va la mettre là. Va pop up active égale false. Donc variable qui permet de savoir si une pop up est active comme une confirmation box par exemple. Quand cette pop-up est active, on empêche le changement. On empêche la fin de la pause. D'ailleurs, en fait, en vrai, on devrait mettre le jeu en pause à chaque fois qu'on fait ça. À chaque fois qu'on a cette box, on devrait mettre le jeu en pause.
Ouais. Donc, ok. Donc. Là, on va mettre. Ta-ta-ta. Pop-up active. On va le mettre même au tout début. Hop. Donc là, ça me paraît plus élégant déjà. Pop-up active égale true. Et là, on émet le signal et en plus, on fait pop-up active égale false. Parce que là, ouais, on enlève du coup. Ici, on met global script.popup active égale false. Et ça, on va le mettre aussi dans menu pause. Ici. Voilà. Voilà, et du coup, en fait, c'est beaucoup plus modulable en plus comme ça. Ah, si, c'est là, je suis bête. Parce que du coup, c'est pas le script qui gère lui-même, c'est tout passe par le global script. En fait, comme ça, ça reste modulable. A plus, Mickaël! Merci beaucoup et on se retrouve ce soir sur le diff. Alors, du coup. Donc, ça ne change pas le comportement. Donc là maintenant, si je fais ça. Là, il y a une pop-up. Ah purée, ça marche pas. Mais je pense que c'est ouais moi je pense que ça doit être lui alors. Voilà, c'est ça, c'était bien lui. Donc c'est bon. Donc là, je suis toujours en pause. Et si je rappuie sur échappe, je peux quitter la pause. Hop, donc. Si je veux abandonner, là je suis en pause. Ah mince. Là je suis en pause, je peux rien faire. Et en plus, je peux... Je suis toujours en pause. Hein. Là je suis bien en pause. Je suis bien en pause. Et hop, la pause s'enlève quand je quitte ça. Donc c'est parfait, la pop-up me bloque tout. Êtes-vous sûr? Non. Voilà. Hop, j'abandonne. Ok. Et bah voilà. Et bah écoutez les amis, ça marche du feu de Dieu. Ça marche nickel. Et du coup la deuxième solution là pour le pop-up... Elle est bien plus bien, elle est bien plus mieux parce que elle est gérée par le global script. Donc du coup, la prochaine fois, enfin, j'aurais rien besoin de. Ouais, non. C'est géré ici au niveau des pop-up actives, donc c'est cool. Et du coup, ça veut dire que quand on veut maintenant créer une pop-up
pour demander une confirmation au joueur, et bien finalement on a juste ça à rajouter, ce qui est ma foi très simple. Très simple. Faut juste qu'on le retienne. Mais bon, on en aura besoin souvent, je pense, de cette confirmation. Quand on veut supprimer un objet, quand on veut donc quitter une quête, quand on voudra effacer une sauvegarde. Voilà. Ah oui, vous voyez pas le bout de code. Pardon. Pardon, pardon, Sanduk. Donc voilà, je disais donc que ça suffit pour faire la pop-up. Je suis très content. Très content. Et en plus, on a rajouté ce système de blocage du jeu avec la pop-up. On a rajouté le système que quand on fait échappe, ça quitte la pop-up en annulant le choix. Et on a rajouté la petite animation de fondu pour l'apparition et la disparition. Oh là là, en une heure de temps, qu'est-ce qu'on a bien bossé. Ah, je suis très content. Je suis très très content parce que je pensais que ça allait être galère à faire. Et en fait, la bonne idée, c'était le yield. Et j'étais assez craintif par rapport à l'utilisation de cette fonction qui m'a joué des tours il y a bien longtemps. Le yield me compliquait un peu la réflexion. Mais là, ma foi, utilisé dans le cadre d'un signal, c'est surpuissant. C'est très chouette. Non, ça marche très très bien. Combiné au global script qui émet le signal. Donc comme ça, on n'a pas de problème pour se connecter au signal. Non, je suis très satisfait. Je suis satisfait. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Puis c'est joli. Alors ça va. Bon, bah du coup, les amis, on va se quitter là pour ce petit stream bonus de l'après-midi. Ah, je suis très content. Très très content. Du coup, j'ai fait une sauvegarde, c'est parfait. On est peu nombreux, mais c'est pas grave. Je vais vous envoyer vers Baba des Bois qui est en train de faire de la musique. Voilà, qui fait de la musique. Hop, slash red Baba des Bois. Il fait de la musique pour son jeu. Hein. Il fait de la musique de boss. Voilà, du coup on se donne rendez-vous ce soir vers 21h, 21h15 comme d'habitude pour le stream sur les difficiles aventures dans le quartier de la zone Tokyo. Bon après-midi à tous, merci beaucoup d'avoir été présents et je suis très content de ce qu'on a pu faire ensemble, donc c'était chouette. Allez, à ce soir, ciao ciao.